Mes amis, encore pour une petite vidéo. Comme vous avez vu, j'ai une petite forge à gaz, à charbon, pardon. J'ai une forge à charbon. Mais pour forger les couteaux là, ça va. Mais après, pour faire la trempe, c'est dur. Pour que quand on forge, on chauffe la moitié du couteau, après on chauffe l'autre moitié, et voilà. Et ensuite, chaque fois, on fait comme ça. Hein? Voilà. Mais quand c'est pour faire la trempe, ça veut dire qu'il faut mettre le couteau tout à la même température. Ça veut dire qu'alors c'est un peu difficile un couteau comme ça. Dans la forge à charbon, oui, il fallait un gros truc, hein, pour la faire. Oui, c'est faisable. Mais là, je me suis lancé dans l'idée de faire une forge à gaz avec des briques réfractaires. Faire une forge à gaz. Bon, voilà, j'ai commencé déjà pour faire la pièce. On y va rentrer le gaz là et sortir ici là. Ça, c'est un petit machin que j'ai récupéré dans une gazinière là. Hein. Et ça ici, le petit morceau, c'est une tige filetée de 1,10 m. Dans mon tour à métaux, j'ai percé à 5 mm. J'ai fait le pas de vis et j'ai vissé le petit trou au bout là. Voilà. Après là, je vais faire un tuyau, hein, avec un tuyau en ferraille, hein, avec un tuyau en ferraille, mais bon, c'est pas celui-là, ça c'est seulement pour montrer. Plus ici, je vais fermer. Dans mon tour en métaux, je vais percer au centre diamètre 10, et après, je vais mettre l'écrou d'un côté, et l'autre écrou de l'autre, et serrer les deux là dans la petite tôle en ferraille, et voilà. Et le tour est joué. Après, il n'y a qu'à mettre le tuyau ici, avec le robinet et tout ça là-haut. Et voilà, pour faire la pièce qui va rentrer dans la forge. Voilà, les amis, ça va être comme ça. On verra par la suite tout ce comment va se passer.